Donc voilà, faire connaissance avec l'animal, c'est vraiment l'objectif d'aujourd'hui, sans aller trop dans le détail. Et essayer de, voilà, de les accrocher un peu, quoi. Rien que dans l'école d'Acousse, il y en a une cinquantaine. Et donc, ben, tous les enfants de la vallée réunis, y compris les élèves du collège, il y a 250 enfants. Donc, c'est pas rien. Voilà. C'est un peu la suite logique du travail qu'on a mené en amont avec les écoles, parce que tous les ans, on travaille avec les écoles de la vallée. On attaque direct, alors. Bonjour. Venez, rentrez. On compte ? 1, 2, 3. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Des cornes ! Tout ce programme, ce projet de réintroduction de bouquetins, c'est un peu la cerise sur le gâteau, et puis ça, du coup, on repart à nouveau sur de nouveaux projets, et c'est reparti, quoi. Super, oui. Très bien, Jules. Bien. Super. Très bien. Comme ça tient, là, ça vous plaît ? Wow. Bon, alors ça, voilà. La semaine prochaine, on va aller voir en vrai. Parce que la semaine prochaine, vous allez voir en vrai les bouquetins qui vont sortir de leur caisse pour aller vivre dans les montagnes. Ah oui, on va compter les traits ensemble et comme ça, on pourra savoir quel âge il a d'ailleurs. D'accord ? Allez, on va le faire ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, c'est ça, à peu près 13-14 ans. Alors, comment on pourrait l'appeler celui-là, ce grand mâle bouquetin, le grand papa? Comme Kiki, par exemple, ça, c'était pas un prénom de la classe, c'était chouette. C'était une bonne histoire de comme vous l'avez dit. Eh ben oui, mais il a dit à des histoires. Pensez à des histoires. Comment? Vas-y, Mila. Bobo. Un petit nom de fille. Biquette. Et ça veut dire quoi, Béroï? Jolie. Jolie. Guapo. Guapo, oh là là. Attention, celui-là. Attention. G-U-A-P. Guapo. Bobo, Belle, Valiente, Vaiana, Maui et Tifiti. Ouais, et celui-là, il m'a dit... Ouais, c'est ça. Et tu l'as dit tout à l'heure parce qu'il est vert. Voilà. Pourquoi ça? Lui, il est fond du beige. Et à quel animal, en français, donc, il appelle un bouquetin. En espagnol, il appelle un cabra de montes. Cabra montes. Mais en langue gascune ou béarnaise, donc en occitan, qui s'appelle un boucardou. Donc un boucardou, qui vous disait que un bouc arredou, d'un drin grosse, bête. Et en aragonais, qui l'appelle, donc tout ce thème, qui l'appelle un bocardo. Ouais, c'est bon. En espagnol, c'est cabra montes. Cabra montes. Cabra de los montes. Mais en aragonais, i ho veig aquí, qui sembla herra, on ja ha vist, que la peram bocardo. El bocardo que sembla a bocardo. Bonjour, Dilaix. Merci d'être venu nous expliquer tout ça. Merci. À jeudi. À jeudi. À jeudi. Là, juste derrière moi, c'est la Sierra de Guadarrama. Et c'est un endroit symbolique du retour du bouquetin dans les Pyrénées, puisque c'est ici qu'on est venu chercher les premiers bouquetins ibériques. C'est un parc national, maintenant il a été classé parc national, et il y a une population florissante de bouquetins qui n'est pas chassée, chose assez rare en Espagne. Et c'est pour cela que c'est l'endroit qui a été choisi pour servir de population source aux bouquetins ibériques pour l'introduction pyrénéenne. Ahí al lado, es aquella piedra que hay un árbol encima, sí. Detrás. Vamos a subir ahora. Sí. Le déclenchement des portes, en fait, c'est un système mécanique tout bête. Les portes, elles vont être attachées, tendues à un système et tout
à l'heure, on va installer un fil. Quand le bouquetin rentre dans la cage et touche le fil, les portes tombent automatiquement et il est pris. Donc ça, c'est le système ancien qui existe depuis longtemps ici. Et depuis l'an dernier, ils ont mis en place d'autres systèmes plus efficaces où ils prennent plus d'animaux à la fois. Et c'est plutôt les mâles qui viennent dans le grand corral qui est dessous là. On va mettre du sel et de la nourriture là, et les bouquetins, quand ils vont toucher ce fil là, automatiquement les portes, hop, elles vont tomber. On met de l'aliment pour attirer les bouquetins dans la cage. Il y a aussi des caracelles là. Et ils vont venir manger ça, et s'ils touchent un des deux fils blancs là, la cage elle se ferme automatiquement. Vale. Ahí está. Está activado ya, ¿eh? Et quand les portes tombent, ça libère la manivelle là, et le rideau se déroule jusqu'en bas. Oh, tenemos 6. 6. Y luego 2 cercones de esos grandes. Cercones de como ese de abajo. De estos tenemos 6. Pasa para que lo veas. En l'occurrence là on va lâcher demain en vallée d'Aspe, et en vallée d'Aspe il y a de la faune sauvage, donc qui est importante. Il y a des isards, il y a des cerfs, etc. Mais il y a aussi, et c'est très important pour la vallée, des éleveurs qui eux travaillent avec de la faune domestique, et les principaux troupeaux en vallée d'Aspe et Osso sont les troupeaux laitiers ovins. Ils se quedan encajadas aquí. Ah sí. ¿Eh? Y así la podéis a... Así el veterinario saca sangre, ponemos crotales y demás. ¿Eh? Hacemos mediciones y pues cae la cabra abajo. Esta es una puerta corredera, ponemos ahí un cajón y ya las metemos directamente al cajón. Donc ce qu'on a fait, le parc national, on a essayé de savoir quels étaient les enjeux par rapport à toutes les maladies susceptibles de toucher à la fois la faune sauvage et domestique. Quelles maladies on était susceptibles d'amener avec les bouquetins? Pour ça, ben, première chose, il faut savoir dans quel état sont les populations de bouquetins ici. Et deuxième chose, il faut savoir quelle maladie pourrait poser problème pour la faune de l'endroit où on lâche, donc dans l'endroit de destination. Ça implique d'avoir un lieu de quarantaine. Donc les animaux, depuis une ou deux semaines, ils sont dans un lieu fermé, en attente des résultats. Cet après-midi, on va aller chercher seulement les animaux qui ont finalement répondu au protocole d'analyse et qui sont négatifs aux analyses qu'on a définies. Et seulement ceux-là seront mis dans les caisses et transportés jusqu'en France. Si ya hay caja. Venga, va, está nervioso. Maneas. Maneas. Left one. 56,5. La veille sanitaire post-lâchée, elle va consister à observer ce qui se passe pour ces animaux. Tout à l'heure, on va à tous leur mettre un collier GPS, ça c'est hyper important parce que ça permet de les repérer plus facilement, d'étudier leur déplacement, mais surtout de les retrouver plus facilement, puisqu'ils peuvent aller quand même loin du point de lâchée au moins en départ, puisqu'ils vont explorer. Donc on va regarder si ces animaux sont en bonne santé. Mais on va aussi faire des analyses, à la fois sur des animaux qu'on pourrait trouver morts, savoir de quoi ils sont morts, mais aussi à moyen terme sur des animaux vivants, tout simplement en les capturant et en leur faisant des prises de sang
pour savoir de quelles maladies ils sont porteurs. Et ça, ça nous permettra d'avoir des éléments essentiels pour connaître à moyen et long terme l'état sanitaire de cette population de bouquetins. Allez, c'est fort, hein. Atravesado, ¿no? Hemos dicho recto. ¿Atravesado o recto? Ahí, venga, tira más. Está la llave ya. El candado. ¿Eh? El candado, que lleva mucho tiempo sin abrir. Ce qui va prendre le dessus sur tout ça demain, c'est de voir du monde, de voir des gens, de voir des enfants, des adultes, des petits, des grands qui vont venir vivre ce moment. Et je pense que quand on va ouvrir les caisses pour lâcher ces bouquetins, c'est pas seulement de la biodiversité qu'on va faire sortir des caisses, c'est aussi quelque part du bonheur, du plaisir de voir cet animal revenir dans les vallées. Et j'espère que ça sera le début d'une longue histoire pour le bouquetin dans les Pyrénées. Ben, je pense très fortement à mon arrière-grand-mère qui était propriétaire de cette grange. Elle s'appelait Magdelaine. Il y a plusieurs lâchers, je crois qu'il va y avoir environ entre 70 et 90 bouquetins qui seront lâchés dans les montagnes de la vallée. Et je pense aussi à mes petits-enfants qui seraient fiers d'être là aujourd'hui. Et je suis très contente que la réintroduction des bouquetins se fassent ici. J'espère avoir le plaisir un jour d'en apercevoir sur les montagnes environnantes. Quand on le déplace, il bouge beaucoup. Lasagne, c'est l'école de Bedouce qui a donné ce prénom. Allez, c'est parti. Hop là. Et voilà. Comme ça, c'est tiré. Et après, vraiment, Thank you.
vous baissez où? Donc l'objet de ce second lâcher de bouquetin ici en Vallée d'Aspe sur la commune d'Acousse, c'est de renforcer la population qu'on a créée en avril 2019. Avec les... Donc pour mémoire, on avait lâché 7 individus, 5 mâles, 2 femelles. Et donc là, l'idée, c'est de renforcer cette population avec l'apport de 3 nouvelles femelles originaires du parc national de Guadarrama. Parce qu'en fait, quand on les observe de très loin, nous on veut savoir qui c'est. Et des fois, les... par exemple, s'ils sont tournés que d'un côté, on va voir que la boucle rouge et on ne sait pas si c'est vers l'autre côté. Donc on essaie de faire un autre système, ça c'est un peu un test. Donc a été utilisé par mes collègues chercheurs des Alpes. En fait, il y a deux choses qui déterminent le succès de l'opération, c'est la survie et la reproduction. Et le GPS, il nous permet de savoir où ils vont et s'ils survivent, parce qu'en fait, s'ils meurent d'un signal de mortalité. Par contre, pour savoir si elles ont un cabri, il n'y a qu'une méthode, c'est d'aller les observer, de savoir si elles ont mis bas. Et pour ça, on doit savoir qui c'est, qui a mis bas, qui n'a pas mis bas. C'est pour ça qu'on a tous ces systèmes de marquage, quoi. En juillet 2019, on avoisine une population qui, de 200 individus, avec notamment en 2019, 40 cabris dénombrés en Vallée des Gaves, ce qui montre que ce programme est aujourd'hui une réussite, avec une population qui se porte bien, et on espère cette même réussite pour les prochains lâchers ici, et la population en Vallée d'Aspe. Donc là, on va lâcher 4 femelles, entre 3 et 7 ans, et un mâle de 4 ans. Et on souhaite bien sûr poursuivre 2020, voire début 2021, pour arriver au nombre de 75 individus, qui serait le nombre idéal de lâcher pour un bon démarrage de la population. Globalement, s'il y avait des réticences de la part du monde agricole, et c'était légitime, hein, par rapport au volet sanitaire notamment, et ça, on le comprend, globalement, il y a un très bon accueil, des habitants, des chasseurs, des élus. Ça n'a pas été facile, mais c'est avec une grande satisfaction que j'ai vu arriver cette proposition du parc national, parce que je m'étais déjà positionné favorablement à la réintroduction de l'ours. Donc réintroduire une espèce sur notre territoire, je trouvais ça très intéressant.
Mais nous avons dû cependant faire face à des oppositions assez inattendues. Donc on a dû effectivement remonter nous, nos exigences sanitaires pour répondre à ces préoccupations. Bon, des oppositions essentiellement sur le monde agricole, préoccupées par tout le cheptel domestique qu'on a tous nos étés dans nos montagnes. Donc le parc à ce moment-là a mis en place un suivi beaucoup plus drastique en lien avec notamment la DSPP, de manière à répondre à ces inquiétudes et à lever tout obstacle. Ce que l'histoire retiendra, de toute façon, c'est que la réintroduction de cette espèce, elle s'est faite par la vallée d'Aspe. L'opposition a été forte, mais malgré tout, pas inconditionnelle, puisque la vallée d'Ossau n'a pas pu faire cette réintroduction. Cette expérience nous apprend que c'est quand même bien plus simple de préserver l'existant dans nos vallées, plutôt que de lancer des grands projets de réintroduction. On y arrive, mais c'est toujours beaucoup plus compliqué. Et l'avenir, c'est les enfants qui ont participé à cet événement, qui en garde un souvenir quand même très fort et qui m'interroge souvent sur le devenir des bouquetins, sur leur situation, etc. Et je crois que ça aura profondément marqué cette génération. Ça, c'est sûr, c'est un bon. Ah ouais, moi je trouve que c'est impressionnant parce que déjà, moi je pensais que c'était un peu plus grand. Et quand j'ai vu arriver les petites caisses, je pensais que ça allait partir. Enfin, moi je pensais que c'était que des cabris. Et après, elle est partie vers nous. Mais voilà, ça m'a fait un peu peur. Ils sont très perchés dans les falaises et c'est impressionnant à la vitesse où ils montent quand même. Ouais, il est pas pressé, il monte.